Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve pour vous montrer ce que j'ai reçu. Voilà, je finirai par là. Donc toute cette semaine, vous aurez eu beaucoup de présentations d'Happy Mail que j'ai fait ou que j'ai reçu. Et donc là, en fait, c'est un envoi surprise. Parce que dans une vidéo, j'avais dit que les petites mousses 3D, vous savez, moi j'en trouve plus dans mon action. Et Marjorie m'a envoyé un mail. C'est une abonnée qui m'a envoyé un mail, elle m'a dit « Oh, mais j'ai quelque chose pour toi, je t'envoie ça. » Bon, d'accord, donc je pensais qu'elle parlait de ça parce qu'elle m'en avait précisé. Mais bon, elle m'a envoyé un petit colis quand même. Je vais vous montrer ça. Mais elle m'a pas... Oula, j'ai tout pété. Elle m'a pas envoyé que ça. Elle m'a fait des petites créations qui sont vraiment trop, trop belles avec des tamponnages de la couleur. Un brin d'été vraiment super chouette. Donc, regardez déjà sa carte qui est vraiment magnifique. Donc, le papier blanc, je ne sais pas si vous le verrez bien. Il a vraiment de la texture. Il est vraiment super joli. Et vous voyez, je pense que bon, c'est elle qui l'a. Alors là, vous voyez, je sais pas, on voit des traits de crayon. Donc, c'est peut-être au crayon de papier, crayon de couleur, mais un peu plus perfectionné. Cette petite boisson trop belle, un dégradé vraiment magnifique, vraiment très très doué. Donc un papier de fond, elle a fait le tour au stylo comme ça, et donc son petit mot, super trop beau. Et regardez-moi cette petite pochette qui est vraiment trop trop belle. Donc c'est fait juste avec une feuille pliée en deux, c'est très très simple. Mais j'ai adoré ce ruban là aussi, qui est un ruban froufrouté et élastique. Vous voyez, il est, j'adore. Je ne sais pas où tu l'as eu, il faudra que je te demande par mail. Et donc, elle a fait une petite cover comme ça, avec un petit... Peut-être que ça vient de chez Action, je ne sais pas. Moi, je ne regarde pas trop les dice de chez Action, je ne pourrais pas vous dire. Avec des beaux tamponnages comme ça. Et vous voyez, elle a fait au crayon des petits coups griffonnés comme ça. Je trouve ça super beau, j'adore. Vraiment trop joli. Et regardez-moi tout ça, comme c'est beau. C'est plein de couleurs. Ça donne envie de partir à la plage, c'est vraiment trop trop chou. Donc là, je pense que c'est un mélange d'ATC. ATC, je sais ce que c'est des artistes... je vais y arriver. Artist Card Training, donc c'est des... C'est comme une petite carte qu'on fait pour envoyer du courrier, sauf qu'on le fait en miniature et ça se collectionne. Et là, ça doit être des trucs de timbre, là, je sais plus comment ça s'appelle. Elle ne l'a pas marqué. Bon, elle a fait une petite série. Vous voyez, c'est des comme des ATC, mais en version timbre, comme ça. Ils sont vraiment... Ah oui, si ça tombe, ça ne va pas aller. Super, trop mignon. Donc, je suppose que tu as fait ton fond en aquarelle et que tu as tamponné. C'est vraiment trop, trop joli. Donc là, c'est les Cap Vacances. C'est trop mignon. Donc là, il y a plusieurs ATC. Qui sont comme ceci. Alors non, celui-là c'est autre chose. C'est un PBA. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, si j'ai la réponse, je vous le remettrai soit ici, soit en commentaire épinglé en dessous si jamais vous voulez savoir. Regardez, c'est trop beau, ma vie de créative. C'est trop mignon. Avec cette petite, petite déco. Ici, c'est en 3D. C'est vraiment trop beau. Donc là, il y a un esprit couture là. Donc je pense que c'est un dice Polaroid. Vous voyez, parce qu'on voit que ça s'arrête ici. Et donc, elle l'a doublé, elle a fait une pochette. Donc, c'est du costaud. Et donc là, vous voyez, elle a fait juste des petites chutes. Elle a ancré d'ailleurs. Vous voyez, et ça permet d'avoir différentes pochettes. Donc, c'est vraiment super trop cool. Celui-ci aussi est beau. Hein. J'aime bien, moi, le noir avec des tamponnages comme ça. Prendre le large. Trop mignon. Hop, on refait la petite agencement. Là, on a encore un ATC. J'adore ces mélanges de couleurs. Je crois que je serais incapable de faire ces nuances-là. C'est vraiment très, très joli. Un beau bleu. Là, c'est blanc. Il y a le rose. Tamponnage noir aussi. Contre vents et marées. Trop chou. Et regardez-moi cette petite sirène-là. Elle est trop, trop belle. J'adore, c'est vraiment trop joli, ce tampon est magnifique. Hein. Attendez, parce que j'ai des bouts de papier qui tombent devant moi. Et là, on a ça aussi que je trouve super sympa. Un petit embellissement avec les petites boules. Je les ai aussi, celles-là sont trop belles. Avec un petit gland comme ça, trop chou.
Ça, c'est un espèce de petit ticket, hein. Ça fait comme un petit ticket. Ah, c'est trop, trop joli. Les petits tamponnages colorisés. On a une belle Memory Dex. Oh là, tu t'en vas. Ouais, et là, elle l'a doublé même l'océan, vous voyez. Donc, pour qu'il soit un peu plus rigide. Et une belle Memory Dex avec un fond, en, je pense qu'elle a fait, elle, le papier rose. Et donc, derrière, ses coordonnées. Vraiment trop, trop joli. Hein. Ce dies est vraiment très, très beau. Là, c'est pareil, c'est le même principe. Alors, moi, je l'ai mis comme ça. Je ne sais pas si c'était... Je ne me rappelle plus si c'était comme ça. Pour pas que ça ressorte. Voilà, pour que ça ressorte comme ça. C'est plat. Franchement, c'est impeccable. Hop. Et puis, le dernier qui est très, très beau aussi. Attendez que je mette ça correctement. Hop. Et celui-ci, ça va. C'était d'ailleurs dans mon livre. Moi, je ne sais pas si c'est un marque-page, mais en tout cas, moi, je m'en servirai comme marque-page. Il est vraiment très, très joli. Et derrière, elle a marqué « Cultive ton bonheur pour le voir fleurir autour de toi ». Je trouve ça tellement, tellement, tellement juste et tellement vrai. J'adore, c'est vraiment très, très joli. Se faire confiance et croire, garder le cap quoi qu'il arrive. C'est vraiment trop joli, hein. Vraiment, c'est trop, trop joli, super, super mignon. Mais c'est pas tout, hein, parce qu'elle m'a envoyé ça. Et le truc principal, ben, en fait, c'est ce colis. Mais elle n'y a pas été de main morte, quoi. Là, comment vous dire? Je pense que j'ai assez de mousse 3D pendant jusqu'à la fin de ma vie de scrapeuse. Bon, pendant un moment, quoi. Non, mais je sais pas quoi dire. Je te remercie énormément. C'est un truc de dingue. C'est trop, trop cool. Regardez-moi ça. C'est génial. Mais je sais pas, c'est coupé en petit comme ça. C'est dingue. Donc, c'est quand même une épaisseur moyenne. Donc, c'est nickel. En tout cas, je te remercie vraiment beaucoup. J'étais vraiment surprise. Je me suis dit, bon, peut-être un... Vous savez, un lot chez Action, quoi, qu'elle avait. Et puis que... Voilà, qu'elle avait et puis que, qui lui restait, quoi. Non, 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 fais pas les choses à moitié, hein, Marjorie, elle y va à fond. Merci beaucoup de ta gentillesse et de ta générosité, en tout cas. Ça ira sur mon étagère quand elle sera faite, pour mettre toutes vos créas que vous m'envoyez, et les miennes aussi, parce que j'en ai pas mal qui sont, vous voyez, ils sont posés, cachés, comme ça, j'ai des pas mal d'albums et autres, et autres, et autres, qui s'accumulent. Mais voilà, ça ira avec les autres. Que je les voyais toujours près, que je les ai toujours près de moi, pardon. Et donc, je te remercie beaucoup. J'espère que ça vous aura plu, ce bel exemple de tamponnage, de dégradé et tout. C'est vraiment super cool. Ça, vous pouvez le refaire. Vous voyez, si jamais vous faites un happy mail et vous devez renvoyer des ATC, des petits marque-pages comme ça. Donc, c'est plutôt sympa. Je vous donne la mesure, peut-être, si jamais ça vous intéresse. Donc là, ça fait 20... Ouais, 22... sur 10,5. Voilà, donc en tout 21 sur 22. Voilà, vous pliez en deux. Donc voilà, c'est vraiment plutôt cool. Merci beaucoup encore. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.